Ah, oh, c'est moche. C'est quoi ce Hey, truc tout mince. dégueulasse? Sers-moi une autre part, Kellan Sling. Pas tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Oh, cette barbe! Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon rookie? Chewie répare le faucon. Le communicateur longue portée a pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux. Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par moi. Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme? Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'entrais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez, quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Chewie. Je ne connais pas cet homme. Mais il est tard. Et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être assez bavarde. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout, tâche de ne pas l'oublier. Ah, on va contrôler Solo. Ah mais d'accord, il y a un truc d'interaction, moi je croyais qu'il fallait rester à côté. Roddy, content de te voir. Écoute mon vieux, je recherche un ami, un certain Paldora. Tu peux m'aider? Après que tu m'as laissé en plan pendant la mission Zerka, pas question. Allez, tout s'est bien terminé. Enfin je pense, vu que t'es là. Dégage. T'as qu'à trouver Paldora tout seul. Vous pourrez comparer la taille de vos barbes. Ah, donc il est barbu, compris. Han Solo, personne n'aime Han Solo dans Star Wars, c'est ouf. Je sais pas comment je vais payer Maz. Sauf Luke et. Et les gars. Et Chewie. Faut que je... Avec qui maintenant? Je vois plus de ronds en fait. Non, on peut peut-être aller plus haut ou plus bas. Ouais, je pense pas. Ah! Interagir en haut et en bas. Oh bah voilà, comme ça. Monsieur Paldora, ça faisait longtemps. Mon ami Wookie se demandait ce que vous deveniez. Je crois que vous me confondez avec ce... type insupportable à l'étage. Autant pour moi. C'est juste une course. Tu peux le faire. Un petit échauffement et le championnat est à toi. C'est étrange, tu ressembles à un ami à moi. Il s'appelle Paldora. Tu me confonds avec cet abruti qui boit du Merenzan Gold. Il a quoi se payer un verre de Merenzan Gold? Ouais, ça fait envie, pas vrai? Pas mal, vous ne trouvez pas?
Je suppose que c'est lui. Han Solo ? Je suis Rassus Paldora, spécialiste impérial. Ravi de vous rencontrer enfin. Chut, pas si fort, enfin. Ah oui, c'est vrai, c'est un rendez-vous incognito. Allez, quel con. Il faut qu'on vous sorte de là. Alors c'est parti. J'ai les informations que vous vouliez, pas sur moi, bien sûr. J'ai caché 2 cubes de données dans les bois. Pas. Non, mais vous vous fichez de moi. Le premier contient les itinéraires de l'Empire, leur site de ravitaillement, leur cache d'armes secrètes. Un cadeau pour la République, si elle peut garantir ma sécurité. Et pour vos renseignements sur Kashyyyk? Ils sont ailleurs. Faites-moi confiance, j'ai tout ce qu'il vous faut pour libérer vous. Eh ben... Dites-moi comment vous savez tout ça. Les officiers impériaux parlent beaucoup. Ils aiment se donner l'air important, surtout un Rax. Vous le connaissez. Je n'ai pas à se plaisir. C'est beau. Évidemment, la plupart des statisticiens sont tués par des apprentis. Pour qui? Des amis à vous? Laisse-moi deviner, je suppose que c'est ta faute. Ouais, comme d'habitude. Rappelle-moi quelle est ma règle numéro 1, Han Solo. Pas de bagarre. Bon, allez, il faut qu'on bouge. J'ai caché le premier cube de données dans un générateur juste là. Ça y est, c'est une map qui est dans le mode héroïque. Enfin, le mode héroïque, le mode héros qu'on dit bien. Pas un bruit, on va les neutraliser. Non, ça c'est votre travail. Ce blaster est comment décoratif. Je n'ai jamais réussi à tirer. Super. Allez, Han Solo. Youhou! Des explosifs improvisés. J'ai besoin de toi, Nick. Impressionnant, Han Solo. Le culte donné est ici. Quelque part. Rien dans celle-là. Sérieux, Pélo, t'as caché quelque chose, tu sais même pas où c'est, quoi. Non, pas ici. Où ai-je bien pu le laisser? Non, mais t'es sérieux, c'est quoi ce branleur? Oh. Ah. Je l'ai. Les informations de ce cube de données devraient aider vos amis de la République. Attention, envoie la dent. Équipement lourd impérial. Pas les pattes. Vas-y, viens. Même ta tête, Alouette. Où sont les renseignements sur Kashyyyk? En sécurité près d'un joli sanctuaire dans la forêt. En avant! Vous devez avoir de bonnes infos pour qu'ils envoient autant de soldats après vous. C'est clair. La situation de l'Empire est plus grave qu'on peut le croire. Ils ont peur que la République s'en rende compte.
La flotte consomme plus de carburant pour éviter vos attaques qu'on ne peut lui en fournir. Un officier impérial sur 148 se rend et demande asile. Le nombre de nos chasseurs a baissé. Super intéressant, mais cachez pas tout ça. Vous êtes sûr que vos informations peuvent aider les Wookiees? Ça vous mènera tout droit sur leur planète. Qu'est-ce que la République prévoit de faire? Pas grand-chose, mais Chewie et moi, on fera fermer ce temps de travail à nous deux s'il le faut. Ah oui, le puissant Chewbacca. Oh, on va peut-être jouer Chewbacca. On a testé Luke, Leia, la Han Solo. Bon, forcément, il n'y aura pas Rey ni Kylo Ren. Kylo Ren n'est pas né, donc ça va être dur. Rey, je pense qu'elle non plus, parce que je pense qu'elle doit avoir presque, doit avoir le même âge que Kylo Ren ou plus jeune. Je suppose, hein, je suis pas sûr. Mais... Alors, on tire dessus, mais c'est... Soit, voilà, headshot. Toi aussi. Ça fait un petit claque jaune en fait sur le rouge en fait quand tu tapes dans la tête. C'est quoi ça? Logique ça foutre quoi. On peut pas dire directement où c'est. Bah, je sais pas, moi je calque quelque chose quelque part là-bas, je m'en souviens quoi. Enfin... Premier coup. Des renforts, baissez-vous. Je me baisse. Éliminez tout sur votre passage. Tout est une question de timing. Ah, ça explose pas toute seule là-bas. C'est à toi de la faire exploser. Ça devrait vous aider à atteindre la planète des Wookiees. À présent, en direction votre célèbre faucon. Vous connaissez le faucon? Oui. En moyenne, je dirais que 2 étoiles impériaux sur 300 connaissent le faucon minimum. C'est un vaisseau connu quand même, le faucon millénaire. Ah, mais le PNJ, il sert à rien, lui. Hein. Mais il va mourir, c'est obligé, faut qu'il crève, parce que... Ah merde, c'est Chewie. Chewbacca. Taisez-vous et courez, d'accord? Je vais les retenir. Préparez le vaisseau au décollage. Je vois un officier. Ça, Han Solo est pas mal. Hein. Bah, Luke, Leia et Han Solo, ça va, ils sont vraiment pas mal. Hein. Youhou, t'es où? Un soldat lourdement armé arrive vers vous. Des explosions improvisées. On ferait mieux de courir. Notre navette arrive. Attention. J'ai connu des jours meilleurs. Après, c'est dommage que c'est pas les vraies voix françaises. Ça devrait attirer leur attention. Alors, ça
Hey, on peut dire que cette journée n'est pas si mal, en fin de compte. Général Solo, c'est Iden Verso qui vous parle. L'étoile Inferno va vous aider. Bon sens, que je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène, commandant? Bon, général. C'est la sénatrice Organa qui nous envoie. Je retire ce que j'ai dit, Chewie. C'est le pire jour de toute ma vie. Oh, mais on a des TIE en approche. Pour une fois, ce serait bien qu'ils arrêtent d'essayer de nous tuer. Ça ne serait pas aussi drôle, général. Piloter. Oh, le Faucon Millenium. Non. Je veux pas piloter le Faucon Millenium. Déjà dans le 1, je galérais, mais alors là, avec le truc du 2. Oh. Oh non. Oh non. Non. Que Mass soit en ligne. Je ne veux pas lui parler pour l'instant. Han Solo. Tiens, salut Mass. Tu m'as dit que tu couvrais toujours. Et maintenant, il y a des vaisseaux au-dessus de mon lac. Je peux tout t'expliquer. Je m'en fiche. Nettoie-moi ce bazar. Je sais bien que ce n'est pas ta faute, Chewbacca. La meuf, elle en kiffe sur Chewbacca, quoi. Général, on s'en prend le tir sur ce croiseur, vous me suivez? Allez, on va l'envoyer voir le fond du lac. Oh, ça ne va pas du tout faire un masque. J'ai du mal à... Il est tellement gros ce vaisseau que j'ai du mal à voir les... Suivez-moi. Un chasseur ennemi se dirige vers le général Solo. Je le vois. Les torpilles à protons sont armées. Excessif, mais efficace. Alors par contre, je sais pas, juste un truc. Modification spéciale augmente les dégâts de l'arme principale et empêche la surchauffe pendant... Oh, ok. Pardon, excusez-moi, je me... On ne voit plus beaucoup de croiseurs comme ça dans le coin. Plus depuis l'attaque du chantier naval l'année dernière. Youhou. Wow. On se remet droit. Hop là. Et on attaque. Mais son hyperdrive est 1,22 fois moins fiable que celui du modèle de 4. Chewie, fais-le sortir de mon cockpit. Non, attendez, je me tais. C'est dur à piloter. Je vous jure, c'est super dur. Ça, c'est le dernier. C'est les derniers. Ils vont me casser les roupettes là. Allez, crève. Tiens. Voilà. Nickel. Mais surtout, faites bien attention. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas te débarrasser de nous aussi facilement. Elle est à vous, commandant. Non, sérieux, Del, je sais pas ce que t'as fait à ce droïde, mais il y a un truc qui cloche. Je vais réparer, c'est tout. C'est pas ma faute s'il t'aime bien maintenant.
Escouade Inferno. Shreve, on ne s'est pas revu depuis que Lando vous a confié cette mission. Vous allez bien? À merveille, sénatrice. Vous vouliez me parler, commandant? D'après les informations de Paldora, il faut croire que mon père aurait mené des opérations sur Bespin et Sulust. Je vous demande la permission de le traquer ainsi que de l'arrêter. Vous n'êtes pas sous mes ordres, Dan. Il est fort probable que le commandement désapprouve une mission à caractère personnel. Ah, eh bien. On ne peut pas laisser un amiral impérial renforcer sa flotte, n'est-ce pas? J'apprécierais que vous l'arrêtiez, commandant. Oui, à vos ordres. Et que la force soit avec vous. Yeah. Encore du vaisseau! C'est horrible. D'après les renseignements de Paldora, mon père ravitaille sa flotte de la station Chinook depuis des mois. Notre vieil ami Ask supervise l'opération. Si on arrive à le capturer et à arrêter la station, ce sera un sérieux coup dur pour l'Empire. Sans oublier que Ask pourrait enfin nous permettre de retrouver l'amiral. Si on a de la chance. Ce n'est jamais une simple question de hasard. Wow, regardez un peu tous ces belles dots. Je trouve ça mignon d'étudier la faune d'une planète avant de la visiter. Et s'ils produisent le gaz Timana dont l'Empire a besoin, les belles dots sont une priorité. Si vous le dites. Vous savez, si on peut trouver votre père et l'arrêter, ce sera un grand pas vers la fin de la guerre. Je sais que ces derniers mois ont été difficiles, mais nous l'aurons cette fois. Je le sens. Ça, je n'en doute pas. Et je me demandais ce qui allait se passer après, quand la guerre sera finie. Honnêtement, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. L'entraînement impérial ne vaut pas grand-chose dans le secteur civil. Et vous? Moi, je voudrais voyager. Parcourir la galaxie. Lothal, Mikapo. Vous y êtes déjà allé? J'étais soldat à l'époque. J'aimerais revoir ces mondes libres. Je crois que c'est une très bonne idée. C'est beau. Voilà la plateforme d'atterrissage. On devrait pas repérer nos vaisseaux. La fête commence. À toi, Ask dans la tour du protecteur au niveau supérieur. Bonus de toutes vos capacités bénéficient. Ok. Je vais enlever ça, moi. Je préfère la grenade. Grenade! Bouclier, ouais. C'est quoi ça? Ça peut être intéressant, ça. Et on a le scanner. Ok. Il va falloir un turbo lift pour y arriver. Oh putain, je vais jouer au sniper! Le droïde a dit qu'il y en avait un devant, gardé par une escouade de Stormtroopers. Bien, suivez-moi. Comme toujours. Dira de ça. Putain, y a du monde. Faites de commande. Je ne veux pas d'incident pendant que le commandant Askins.
que le snipe. Oh, y'a du monde. Y'a du monde, y'a là. Quoi ça? Je suis en train de le lire, je suis en train de regarder, tu peux pas attendre. Toile, toile blaster. Voilà, marqué. En attendant. Ça, c'est pas de la grenade flèche de merde, hein. Eh ben, on fait mal. Je crois que j'ai une idée. Vous allez détester. On va faire un stormtrooper. Ok, la tour c'est notre point de rendez-vous. D'ici là, essaie de pas te faire repérer. Ta nouvelle peinture risque de pas leur plaire. Restez pas planté là, soldat. Allez, en avant. Par contre, il faudrait une autre. J'ai déjà hâte d'y être. J'aurais aimé avoir une autre arme en fait. Oh cool. Eh bien, ça rappelle des souvenirs. Peut-être, mais pas les bons. La tour du protecteur est droit devant nous. Ask doit se trouver au sommet. Vous et moi. Pensez à tout ce qu'on a fait de bien depuis Vardos, Nel. On a rendu la galaxie plus sûre, redonné espoir aux gens. Bon, c'est le moment d'en faire autant pour Bespin. Trouvons Ask. Je ne pensais pas que la station serait aussi animée. L'Empire est en déroute. Hey, c'est redonné. Bavarde pendant le service. J'admirais simplement la puissance de l'Empire. Les rebelles n'ont aucune chance. C'est bien vrai. Il paraît que le blocus commence à céder. Les vaisseaux arrivent à passer dans de nouvelles aires. Comment le faire, Rodap? Droïde, nous sommes à la tour. Tu es prêt? On se retrouve en haut. Ouais, c'est parti. Où est-ce qu'ils sont tous? Vous pensiez vraiment que ce serait aussi simple? Ask. Nous avons détecté le Corvus à l'instant où il a franchi le blocus. Je m'occuperai de toi personnellement. Mais j'ai des responsabilités et vous éliminez tous les deux. N'en faites pas partie. Au revoir, Idel. Non, on ne peut pas le laisser finir.
interstellaire. Ça doit être Ask. Tant pis pour le plan. Attention! Mitchell, quittez la plateforme! Les soldats sont trop nombreux sur notre position. Là, je vais devoir me retaper tout le retour jusqu'au dessous. Et maintenant ? Ask n'était qu'une partie de la mission. Vous voulez encore saboter l'opération de ravitaillement ? Comment on va s'y prendre ? Il nous faut des vaisseaux. D'arme. Charge de tétonique, non, on s'en fout. Arme. Droïde, tu ne détectes rien d'autre, sois-tu prêt? Vas-y, droïde. Là, ça permet de voir Donc soyez prudents. Dispersion. Le commandant Ask veut qu'on les trouve. Analyse des menaces. Putain, il y en a plein. Bon, faire un choix. Aïe. Et maintenant ? Ask était une partie de la mission. Vous voulez encore saboter l'opération de ravitaillement ? Comment on va s'y prendre ? Il nous faut des vaisseaux. Droïde, tu ne détectes rien d'autre, sois plus près. Nous avons perdu le contact avec les pointes de la tour. Donc soyez prudents. Dispersion. Le commandant Ask veut qu'on les trouve. J'ai besoin d'un piratage. Fille, droit devant. Mille ce qu'il nous fallait. Ah, mais il me saoule ce marcheur là. J'ai pas eu le temps de le dégommer. Une partie de la mission. Vous voulez encore saboter l'opération de ravitaillement ? Comment on va s'y prendre ? Il nous faut des vaisseaux. Nous avons perdu le contact avec l'escouade de la tour. On va changer un peu de vue. Donc soyez prudents. Dispersion.
masques, peu pour les troupes. Les X-ray sont de l'autre côté de la station. Droïd, tu ne détectes rien d'autre qui soit plus près? TSTT. Oh maman. Localisation des ennemis. Il y a encore plein d'ennemis, c'est ouf. Moi qui pensais que le lance-roquette allait plus l'allumer que ça, j'ai un peu déçu. Et maintenant, Ask n'était qu'une partie de la mission. Vous voulez encore saboter l'opération de ravitaillement? Comment on va s'y prendre? Il nous faut des vaisseaux. Nous avons perdu le contact avec l'escouade de la tour. Donc soyez prudents. Dispersion. Qu'on en rase que peu qu'on les trouve. Ils sont de l'autre côté de la station. Droïd, il détecte rien d'autre qui soit plus près. C'est quoi tout ça? Oh mais c'est abusé. Enfin, tellement cher. Le pistolet fait passer de dégâts. Pourquoi je vois plus les dégâts des armes? On va l'essayer celle-là. Et maintenant, Ask n'était qu'une partie de la mission. Ouais, celle-là. Vous voulez encore saboter l'opération de ravitaillement? Comment on va s'y prendre? Il nous faut des vaisseaux. Oui, nous avons perdu le contact avec l'escouade de la tour. Donc soyez prudents. Dispersion. Le commandant Ask veut qu'on les trouve. TSTT. Thank you.
Phoenix. Beaucoup d'ennemis hein. J'ai l'impression qu'il est intuable ce truc quoi. Faut courir hein, pas le choix. TIE droit devant. Ce qu'il nous fallait. Oh, pitié. Viens là. C'était le dernier. Maintenant, trouvons ce vaisseau. Une voiture des nuages? C'est un vaisseau. Oh, d'accord. Oh putain! Quand j'ai dit qu'on avait besoin d'un vaisseau, j'aurais dû être plus précise. Elle a des armes, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Que ce ne soit pas une voiture des nuages. Plateforme de ravitaillement, droit devant. Les trois destroyers stellaires. Et nous allons faire sauter. Vous savez quoi, vous aviez raison. La voiture des nuages n'était pas la meilleure option. Non, réfléchissez. Il nous suffit de détruire les cellules combustibles. Et l'explosion entraînera une réaction en chaîne. Exactement. Qui remontera jusqu'à ces destroyers stellaires. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. Ça vous plaît? Ça me plaît. Commandant, j'ai repéré une voiture des nuages qui s'approche de votre destroyer. Ce truc est branché sur les communications impériales. Ça fait au moins un point positif. Sigma 1-2, en mouvement pour interception. C'est sûrement une simple livraison, mais on ne sait jamais. Bien reçu, commandant. Cette voiture des nuages n'est pas là pour une livraison. Abattez-la, 1-2. Toutes les unités à ma position. Voiture des nuages rebelles à 0032. Abattez-la. 1-2, arrêtez ce vaisseau. On perd des cellules à combustible. Notre flotte a besoin de ce gaz Tivana. J'essaye, commandant. Fuyez rapide.
phase de ravitaillement, sinon la raffinerie partira en fumée. Arrêtez-les. Mais si on rate la cible et qu'on touche les cellules à combustible, on mourra tous. Alors ne la ratez pas. Zoukou. Si j'ai tout fait à ce niveau là ouais. C'est la dernière. Dommage que Ask nous ait échappé. C'est con ça.